Bonjour, bienvenue sur ma chaîne F1 RCX. Nous sommes le 30 juillet 2013. Vous voyez que le fumier a fait son office là. Voilà, c'est-à-dire une bonne protection. Et nous avons vraiment des superbes quantités de tomates à volonté. Aussi bien sûr les cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf là, qui commencent à mûrir, on en mange déjà depuis quelques jours. La saison a environ 15 jours de retard, mais c'est au rendez-vous quand même. Hein. Vous pouvez remarquer que le fait de mettre du fumier, vous obtenez quelque chose de très riche, avec de nombreux vers. Là, si vous observez bien, là, regardez, là, très très bon, et c'est bien sûr du bio, hein. C'est quelque chose de formidable pour la santé. Alors le fumier aide à protéger, bien sûr, contre l'évaporation et améliore considérablement la terre avec les sels minéraux, tout ce qui est très très bon, bien sûr, pour les tomates. Voilà, on peut aussi apercevoir le muscat de Hambourg, qui a évolué, les grains sont presque à la bonne dimension, il manque très très peu, et d'ici un mois, début septembre, on pourrait peut-être penser à en goûter quelques-uns. Voilà toujours les boutures de vigne, là, de muscat de Hambourg, là, qui végètent toujours, c'est très très bon signe, et d'ici 2-3 mois, qui sait, l'apparition de premières racines. Bienvenue sur la chaîne F1.